Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va s'intéresser aujourd'hui à la façon de choisir sa planche en fonction de votre niveau et des conditions de surf. Une chose très importante quand on débute le surf, c'est de parvenir à choisir du matériel adapté à son niveau. Il faut faire attention à ne pas prendre des planches trop performantes qui peuvent freiner votre progression, alors que le but, c'est de se faire plaisir. Pour les débutants, on a ce type de planche à votre disposition. C'est des planches longues, larges, épaisses, avec donc beaucoup de volume. Ça permet d'avoir une rame facile, de faire ses take-off facilement et d'avoir un bon équilibre. Alors en plus, sur la gamme Bic, sur ces planches en plastique, c'est des boards très solides et très stables également. Donc vos premiers take-off seront faciles. Un autre type de planche pour débutants, c'est les planches en mousse. J'en ai une ici. Alors l'avantage qu'elles ont, c'est que déjà elles ne sont pas fragiles. Donc souvent les écoles de surf l'utilisent et on fait nos premiers take-off avec ce genre de planche. Et ensuite, elles sont résistantes et on ne peut pas se blesser avec. Un gros avantage, notamment pour les enfants. Elles sont souvent équipées en plus de dérives flexibles. Donc on se fait pas mal et on s'amuse tout de suite. Une fois que vous maîtrisez vos premiers take-off et que vous êtes à l'aise à la rame et dans l'eau, vous pouvez passer sur des planches un peu plus courtes, un peu moins volumineuses. Et du coup, une fois sur la vague, une fois debout, ça vous permettra de commencer à avoir vos premières sensations de virage et de manœuvre sur la vague. Ça y est, vous êtes des surfeurs aguerris, vous savez bien prendre les vagues, bien vous lever, les suivre. Du coup, il est temps de passer à un shortboard. C'est une planche très commune, on en voit beaucoup à l'eau. C'est des planches assez courtes, très fines et assez étroites également. Du coup, ça fait pas beaucoup de volume. Il va falloir ramer plus fort, mieux vous placer au pic pour prendre des vagues. Mais une fois sur la vague, ce qui est intéressant, c'est que c'est des planches très maniables, beaucoup plus réactives et du coup, vous allez pouvoir placer beaucoup de manœuvres différentes. Voilà, il existe encore plein d'autres types de planches. N'hésitez pas à vous rendre dans un surf shop pour bénéficier des conseils d'un vendeur. Il saura vous conseiller sur la planche la plus adaptée à votre niveau.